Ok, merci. Salut. Je vais pas pouvoir être à Phoenix ce soir. Non, je viens de parler au chauffeur, le moteur a lâché, ça va prendre des heures. Je vais devoir trouver un autre car. D'accord, moi aussi je t'aime. Je vais trouver un moyen. Oui, oui, merci ma chérie. Excusez-moi. Ouais. On est coincé ici? Ça m'en a bien l'air, ouais. Eh, vous savez quoi? J'ai pas les moyens de louer seul une bagnole, ça vous dirait qu'on partage une loc? Vous me rendriez vraiment un grand service. Désolée, je peux pas. On peut même faire 60-40, hein, c'est pour rencontrer mes beaux-parents. Mais lâchez-moi, je vous connais même pas. Mais nous, on te connaît, Sajida. Lieutenant, écartez-vous. Beau boulot. Contactez votre équipe. Faites remonter les passagers dans le car. On doit absolument les isoler tant qu'on ne sait pas si elle est contagieuse. Très bien. Ouais, on l'a épinglé. Bien, t'es réveillée. Pourquoi je suis dans ce truc? Tu sais très bien pourquoi. On est allé à l'entrepôt, Sajida, et on sait que t'es membre de l'armée du Mashrek. C'est pour ça que t'as ciblé le sous-lieutenant Grant. C'était quoi votre plan? Vous vouliez faire quoi avec elle? Sajida, t'es en train de mourir. Tu as contracté le virus. On a un traitement et on peut t'aider. Mais il faut que tu nous aides, toi aussi. On sait que t'étais pas seule à l'entrepôt. T'as passé plusieurs coups de fil et échangé des messages avec cette personne ces derniers jours. Dis-nous où il est et on te sauvera la vie. Vous mentez. Je connais vos méthodes. En plus, j'ai été extrêmement prudente. Aussi prudente que ton copain dans le conteneur? C'est ça, ta référence? Je suis curieux, quand tu l'as tué, c'était par pitié ou simplement pour sauver ta peau? C'était un acte de foi. On avait besoin de trouver un moyen de garder le virus actif pendant notre voyage. Donc il s'est volontairement contaminé. C'est un martyr. Tout comme moi. À la fin de cette histoire, on pourra compter les morts par milliers. Et vous jetterez vos soi-disant héros militaires dans des fosses comme des animaux. Bon, c'est une vraie fanatique. Donc on peut imaginer que son partenaire l'est aussi. Il faut qu'on le retrouve. Ouais. Ça va? Ouais. Je vais appeler le bureau.